Bon, il y a un mec super drôle. Du Venet. Ok, on est d'accord. Il est énorme, ce mec. Rien à faire. Il est énorme. Il n'y a rien à faire. Il est grand sur scène. Ouais. Dieudonné. T'as vu le dernier, hein? Je vois tout. Ouais. Dieudonné, c'est désarmant, Dieudonné. Il est hors catégorie. Ouais. C'est désarmant. C'est la... C'est, il est au-dessus de... Il n'y a personne à sa cheville. C'est le plus grand de, de notre génération. Vraiment. Un spectacle par an. C'est le plus grand. C'est lui le soleil de nous, en tout cas. Ouais. Il a l'habitude de dire au-dessus c'est dernier, le soleil. Mais en fait, lui, c'est notre soleil. Hein. Ouais, j'ai vu qu'il a rempli Nantes, là. C'était juste... Ouais, non, mais là, parce que tu sais, il s'est fait... Si on vous emmerde, non, vous parlez tu sais où c'est complet, là? Il vient de revenir d'Algérie. C'est complet? Complet. 2500 personnes par soir. Ils ont payé. Non, c'est ce Est-ce qu'ils ont payé? C'est garanti. 2500 personnes en Algérie. Mais je... C'est impossible. Et bah, le jour des 30 ans de Café de la Gare, il était là. Il était avec toi. Il a fait ouais, mais je sais, mais parce que nous, moi, on avait fait la première partie des Lisieux de Nîmes quand on a commencé avec les Garagistes. Il n'était pas pour les concentrations encore. Je t'explique, parce que depuis le début, que Dieudonné a un petit problème avec lui. Et, non, enfin, pas voulu, mais qu'il fallait qu'on parle de ça. Et moi, c'est vrai. Non, pas du tout, non. Ah, je croyais que tu n'aimais pas Dieudonné. Ah non, j'aurais la faute. Moi, mais c'est vrai ce que tu dis sur les camps de concentration, tout ça, je trouve qu'il est pas fort. Non, je pense qu'il n'aurait pas trop kiffé mon grand-père. Moi, je me dis. Personnellement, moi, je m'en fous, parce qu'il en met aux Arabes, mais il en met tellement aux Arabes, il en met aux Noirs, c'est ouf, mais il y a des trucs sur les Juifs, il y a des trucs, je me dis, moi-même en tant que Juif, là, j'aurais peut-être lui demander des comptes, quand il y a monté Forisson, un mec qui est pur négationniste, moi-même, là, je me suis dit, bah, de moi, bon, là, si j'étais Juif, je vais lui dire non, ça non. Mais à part ça, enfin à part ça, moi je suis pas juif donc ça va. Mmh. Bon. Et puis il en met plus aux Arabes qu'aux Juifs. Et c'est plutôt drôle, quoi. Ouais. Il est drôle, c'est plus un bouffon. Ah non, 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 vraiment, je ne cherchais pas la merde. Hein. Ah non, non, je m'en doute. C'était une question complètement ouverte. Hein. Je trouve que c'est un comédien hors pair. Hors pair. Moi, c'était Gérald Darmon, tu vois. Ah oui, là, il y a du passif. C'est pas la même. Ah, enfin,